Bonjour Muriel, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le contact que tu m'as demandé il y a quelque temps avec ton fils Étienne. Étienne est parti depuis quelque temps maintenant, je crois que c'était en 2001. Et tu m'as demandé ce contact il y a quelques semaines. Je suis désolée parce qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est vrai, et je te remercie sincèrement de ta patience. Alors bien sûr, comme je le fais à chaque fois, je mets un cadre, c'est-à-dire que j'explique vraiment que la médiumnité, c'est très particulier. Le médium n'est qu'un canal entre le monde des vivants et le monde des défunts, et on n'est absolument pas responsable de la quantité et de la qualité du message qui va être donné. Alors en ce sens, je t'encourage vraiment à prendre un maximum de recul par rapport à ce que je vais te dire. Je peux toujours me tromper dans mon interprétation, dans mes visions, dans mes conclusions aussi. Et bien sûr, il faudra certainement que tu regardes plusieurs fois cette vidéo pour que tu comprennes l'intégralité des messages qui te sont donnés. D'accord? Je sais aussi que, parce que ça fait déjà quelques instants que je suis en train de me concentrer sur la photo d'Étienne, je sais aussi qu'il va falloir du temps pour qu'il vienne. J'ai l'impression que c'est un peu lent. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. J'ai comme un espèce de mystère qui est autour de son décès. Là encore, je peux me tromper, je le dirai à peu près 50 000 fois dans cette vidéo. Mais je te dis ça parce que c'est important vraiment de prendre du recul. Et je peux toujours me tromper. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot. On est des êtres vivants, des êtres humains. Et parfois, je peux me tromper dans l'interprétation de ce que je dis, de ce que je ressens et de ce que je vois. Si à la première écoute, je dirais, tu n'as pas... c'est compliqué parce que je suis en train de parler alors que j'ai des choses qui m'arrivent. Si tu ne comprends pas tout à la première écoute, c'est pas très grave, ne t'inquiète pas, il te faudra certainement du temps pour comprendre les choses. Comme je le dis à chaque fois, moi j'ai reçu un message un jour de ma mère et j'ai mis 5 ans à le comprendre. Donc parfois j'ai des personnes qui me font des retours une heure après en me disant ça, 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 j'ai pas compris, c'est tout à fait normal puisque il faut du temps. Je sais aussi que Étienne va me faire écrire, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà prévu mon cahier, mon crayon, tout est ok et je sais qu'il va me faire. Écrire. Là, il est en train de me parler de Laurie. Je ne sais pas qui est Laurie. Il me montre que c'est une femme. J'ai l'impression que c'est une jeune femme. Et je dirais que elle a les cheveux assez courts. Je pense qu'elle est blonde et qu'elle a les cheveux très courts. Mais il me dit elle a changé. Elle a changé depuis son décès. Quelque chose au niveau de ses cheveux, elle a changé de coupe de cheveux, elle avait les cheveux longs avant et cheveux courts maintenant. Et il me dit qu'il l'aime, il l'aime très fort. Donc si tu vois de qui je suis en train de te parler, il faudra dire à cette jeune femme que, si elle y croit bien sûr, qu'il l'aime beaucoup et qu'il lui pardonne, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je t'aime et je te pardonne. Alors, j'ai un problème au niveau des poumons, j'ai un problème au niveau de la gorge, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'étouffe. J'ai aussi l'impression d'avoir du liquide. Comment je te dirais ça? J'ai l'impression d'avoir quelque chose là, plein la gorge. Je suis tombée, qui me dit, je suis tombée. Dans l'eau. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'est noyé. Il y a quelque chose de... c'est-à-dire que je le vois qui tombe, il me le dit, mais il fait noir. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est peut-être un accident. Il est peut-être tombé de bateau ou je sais pas, il est tombé, mais en tout cas c'est noir. C'est-à-dire que quand il tombe, j'ai vraiment comme s'il tombe dans quelque chose de très froid et de très noir. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé la nuit. C'est un accident. Et alors après, le souci, si tu veux, c'est qu'il y a un épuisement de corps et il y a quelque chose au niveau de l'estomac. J'ai une douleur à l'estomac. Perdu.
Je suis en train de te dire ce que je note en tout cas. Alors, perdu, perdu seul. Alors, c'est terrible parce qu'il s'en veut. Il te demande pardon de ce qui lui est arrivé. Parce que ça t'a créé plein de choses, il y a quelque chose après. Il te demande pardon par rapport à ça. Accident, c'était un accident. J'ai l'estomac qui se soulève, je suis désolée. Il insiste sur le fait que c'était un accident parce que c'est possible qu'il y ait eu une enquête après, ou c'est-à-dire que tu t'es peut-être demandé s'il n'y avait pas eu quelque chose. J'ai un peu comme si la notion, si tu veux, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de judiciaire. Après, il y a une enquête, je sais pas, on monte des costumes de gendarmes. On montre des. C'est passé au tribunal qui me dit. C'est-à-dire qu'il avait eu des ennuis avant. Et que c'est possible que toi, Muriel, tu aies pensé que c'était peut-être un règlement de compte ou que c'était. Parce qu'il y a eu un accident avec ce bateau. Je vais être obligée de décrire tout ce que je vois. En fait, je vois un bateau. Je vois quelqu'un qui tombe dans l'eau. Je vois quelqu'un qui panique. C'est la nuit. Je vois un autre. Je vois du feu à un moment donné. On montre un autre bateau, mais dans un port cette fois-ci, et c'est toujours la nuit. On montre des gendarmes qui font une enquête sur un port. Et après, on montre un marteau de tribunal. Donc ça, c'est pour me faire comprendre que c'est passé au tribunal. On montre un homme. Pour moi, il a une trentaine d'années. Il est châtain clair. Il a les yeux très clairs. Et c'était un conflit qui a eu lieu avec lui. Après, je te vois, toi, certainement. Je vois un homme qui est plus âgé. Donc c'est peut-être le pape, ton mari, le papa d'Étienne. Et vous allez vous contre cette personne-là parce qu'il y a une suspicion de quelque chose. Et c'est Étienne qui me montre tout ça. Et en fait, Étienne me dit que tu fais complètement fausse route parce que c'est un vrai accident. Ne pense pas que quelqu'un d'autre soit responsable de ce qui lui est arrivé parce que c'est un vrai accident. Il tombe dans l'eau. Et il y avait eu beaucoup de choses avant qui pouvaient te faire penser que ça pouvait être lui, mais en fait, c'était pas lui. J'ai fait ça tout seul, qu'il me dit Étienne. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à sa disparition. Mais il me dit que c'est la colère, si tu veux. C'est que je pense que tu as été très en colère et tu as été très peinée, bien sûr, d'avoir perdu ton fils, qui est complètement compréhensif, bien évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il fallait que tu trouves un coupable, Muriel. Et comme tu n'as pas du tout accepté ce qui s'est passé, il a fallu que tu trouves un coupable. Il faut faire marche arrière, qu'il me dit. Je pense qu'il y a un problème là. Il me dit qu'il faut que justice soit faite parce que c'est quelqu'un qui a pu être accusé à tort. Il me parle de réputation. Il est foutu. Il est foutu. Sa vie est foutue à ce mec-là. C'est lui qui le dit. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de vouloir. Te venger, faire justice, c'est pas bon en fait, cette façon-là de. Alors pourquoi il me montre ça? J'ai devant le visage, j'ai comme des, tu sais, comme des trucs en 3D.
Cette fois-ci, c'est plus grave que d'habitude. Pardon. C'est-à-dire que j'ai des choses comme si on me montrait des objets en 3D devant moi. Tu sais, comme dans un cinéma en 3D. Des trucs comme ça qui m'arrivent dans les yeux. Alors pourquoi on me montre ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça va te parler, je ne sais pas. J'aurais peut-être dit que c'était des oiseaux, mais je pense pas que ce soit des oiseaux. C'était comme des petits objets qui m'arrivaient dans les yeux. Il y a quelque chose dans les yeux. Ou c'est quelque chose que tu veux pas voir. C'est quelque chose, tu vois. Je ne sais pas. Il y a peut-être une métaphore, il y a peut-être un truc à trouver par rapport à ça, parce que souvent c'est comme des rébus, hein. Donc, on me fait des objets, enfin, comment je te dirais? Comme des petits objets qui volent et qui viennent jusque dans mes yeux. Et je sais pas, c'est des boules, je sais pas ce que c'est. Au début, je croyais que c'était des papillons ou des... Je sais pas ce que c'est. Donc, ça va sûrement te parler. Bon, Il me dit Papa Pierre. Hein. Je ne sais pas pourquoi Papa Pierre, mais c'est Papa Pierre qui a un problème au bras gauche. Quelqu'un qui a un problème au coude. Il faut qu'il aille se faire opérer là dans pas longtemps. Mais il a peur d'y aller. Bon, il n'ose pas le dire, mais il a peur d'y aller en vrai. Il faut qu'il y aille quand même, c'est important parce que ça fait longtemps qu'il traîne ça. Par contre, ça va être long après. Il y a une espèce de reconstruction au niveau du coude. Mais il faut qu'il y aille. C'est une aparté. Donc voilà. Ce qui me montre aussi, c'est qu'il y a une personne, certainement dans ta famille, et je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est ta sœur. Et c'est possible que tu aies une sœur qui soit souffrante en ce moment, qui a un problème. Parce que c'est-à-dire que cette femme, elle va souvent à l'hôpital. Elle fait des allers-retours entre chez elle et l'hôpital. Il m'a montré aussi une ambulance. Et c'est peut-être quelqu'un qui a des traitements. C'est-à-dire qu'elle va à l'hôpital parce qu'elle a des traitements en cours. Et Étienne me dit qu'il l'accompagne. C'est-à-dire qu'il essaie de lui donner un peu de force. Elle n'a pas beaucoup de force, cette femme. C'est pas de chance qu'il me dit. Elle n'a pas de chance. Il est avec elle. La famille, le noyau de la famille. Quand il y en a un qui a un problème, tout le monde a un problème chez moi. J'ai un prénom, mais je ne sais pas si ça va te parler. Il me parle de Eliane. Il me fait des bascules comme ça. Alors des fois, je perds le fil total. Tu m'excuses, hein, mais... Alors, je pense que cette femme, elle est en chimiothérapie parce qu'il me donne très chaud dans le corps. Et elle a dû faire des malaises ou quelque chose. Elle peut avoir quelque chose à la tête. C'est-à-dire que il me montre, en fait, c'est comme si je basculais en avant et je tombe. C'est-à-dire que Eliane, elle a pu. Ça va être un peu dur ce que je vais te dire. Je pense que Eliane, cette personne en tout cas qu'il me montre, et je peux me tromper, bien évidemment, ça c'est certain, mais je pense qu'Eliane, elle a eu quelque chose, elle a peut-être un cancer, et c'est au niveau des seins. Parce que j'ai une douleur ici au niveau du sein droit, et j'ai cette sensation de chaleur. Donc en général, c'est lié soit à la chimio, soit à la radiothérapie. Quand je suis en contact avec des gens qui malheureusement ont souffert de ce genre de maladie-là, il y a ces symptômes-là qui vont ressortir. Et je pense que Étienne essaie d'être auprès d'elle parce qu'elle n'a vraiment pas beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la tête. Et j'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper. Parce que j'ai l'impression qu'elle perd un peu le fil.
Alors, tu vois, moi là, je suis en train de gadouiller un peu parce que je perds le fil et c'est tout simplement parce que je suis influencée par ce que me montre Étienne. D'accord? Donc, je peux me tromper et je le souhaite, d'ailleurs, pour le coup. Étienne est avec elle, il lui tire la main quand elle va à l'hôpital. T'as souvent pensé à ça, parce qu'il me dit que toi, tu as demandé à Étienne d'être là pour elle. Donc, respiration. Donc, il sera là pour elle. C'est sa marraine. Il y a quelque chose, il y a un lieu, il y a un lien entre eux qui est un peu particulier, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, lui, il est là pour elle. Il va bien, hein. Il me dit, je suis bien, je suis bien. Il y a un monsieur qui est assez âgé avec lui, qui est en train de me faire mal, tu vois. Je fais des sursauts comme ça. Il y a un petit monsieur qui est parti, qui avait un problème de hanche ou de dos. Il est tout petit. Il est tout petit, il est tassé, il marche avec une canne. Et je pense qu'il était complètement voûté quand il marchait. Il a un gros problème au niveau du dos. Il a peut-être été, ou de la hanche, ou je sais pas, tu vois, je dirais vraiment un peu plus bas que les reins, voilà. Et il a été opéré, l'opération s'est mal passée. Et il me dit que maintenant il va bien. Tout ça, c'est pas grave, on s'en fout. J'aimerais bien juste avoir un prénom pour que je puisse. Il me dit que c'est Jean-Paul. Il me dit qu'il est parti, mais ça fait longtemps. Hein. C'est pas depuis aujourd'hui, c'est pas depuis hier, quoi. Il est parti il y a longtemps. Je pense qu'il est parti avant Étienne. D'accord? Mais je pense, Muriel, que tu t'es occupée de lui. C'est possible que ce soit quelqu'un qui a été en structure, par exemple. Il a peut-être été en EHPAD ou tu vois, et un foyer logement ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est-à-dire qu'il a été enlevé de chez lui parce qu'il était tout seul. Et il me dit qu'il pouvait très bien se débrouiller tout seul. Il voyait pas où était le problème. Mais vous avez choisi de le mettre là, dans ce foyer-là. Et il est tombé, il a glissé, il est tombé, il s'est cassé quelque chose. Et je pense que c'est au cours de cette opération qu'il y a eu un problème. Il me donne froid, c'est-à-dire que je le sens sur une table nue, tu vois. Pour moi, c'est le bloc opératoire qui me donne froid. Il fait toujours froid dans les blocs. Et je pense que tu t'es occupé de lui, que tu venais souvent lui apporter plein de choses. Et pour ça, il te dit merci, parce que t'as un dévouement comme ça, où tu travailles là-bas, tu travailles dans un foyer logement, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je te sens, on me touche la main, j'aime pas ça, merci de ne pas me toucher. Il y a un espèce de dévouement chez toi, où t'as besoin comme ça de donner du temps aux gens. Alors, je te vois rentrer dans une chambre avec des draps ou je sais pas, tu ramènes du linge, tu ramènes des gâteaux, tu ramènes des trucs, tu ramènes des fleurs, tu ramènes. Et le côté où tu es dévoué, donc peut-être que tu travailles tout simplement dans un foyer logement. Alors, Jean-Paul, il me dit oui, c'est ça, elle travaille dans un foyer logement. C'est curieux parce que je te vois pas porter de blouse ou des choses comme ça. Me tromper, bien sûr. Alors, il y a Étienne qui me dit que c'est une fin qui était assez triste parce que en fait, il se voit partir, il se sent partir. Il a essayé, il a lutté pendant longtemps. Moi, je pense qu'il est tombé dans l'eau, ce jeune homme, et que. Il n'a pas réussi
C'était trop loin, tu vois. Il y a un problème de distance, il y a un problème de. Donc il est seul. Et c'est cette image-là d'ailleurs qui te. Alors, ce qu'il me dit, c'est que tu as su, mais plus tard. T'as pas su tout de suite. Il a dû être porté disparu d'abord. Ils n'ont pas cherché au bon endroit. Ils ont cherché ailleurs. Et au final, je pense que Étienne est décédé d'épuisement et de noyade. Il me dit qu'il n'y avait pas de baleine ce jour-là, comme dans la légende. Je connais pas bien cette légende. Jonas, c'est la baleine qui me dit. Il n'y avait pas de baleine ce jour-là et je m'appelle pas Jonas. J'ai l'impression qu'Étienne est assez fataliste en se disant que c'était comme ça que ça devait arriver, donc c'est arrivé comme ça. Et pourtant, il avait plein de projets, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait vraiment la vie et je pense qu'il avait des projets de vie avec cette femme, peut-être qui s'appelle Laurie, si je ne me suis pas trop trompée. Et il aurait bien aimé rester plus longtemps, mais c'est comme si il était face à lui-même, c'est-à-dire que il y a du temps qui passe entre le moment où il tombe dans l'eau et le moment où malheureusement il se noie. Il y a du temps qui passe et c'est comme s'il faisait un espèce de bilan et finalement il se sent prêt à partir. Je sais que c'est terrible ce que je suis en train de te dire. Je sais que pour une mère, c'est terrible ce que je suis en train de te dire. Mais je pense que c'est important que tu fasses un travail de lâcher prise. Parce que je pense que cet accident-là t'a complètement foutu en l'air, Muriel. Et je pense aussi que tu n'arrives pas à accepter. Il me dit non, c'est clair, n'arrive pas. Mais il faudrait que tu vives un peu pour toi. C'est pas moi qui le dis. Hein. Comme avant, parce que je pense qu'avant tu faisais plein de choses pour toi, hein, pas pour les autres, juste pour toi. J'ai l'impression que tu t'es un peu oublié ces dernières années. Tu t'es perdu dans des batailles, dans des combats, dans des. Et tu refais et rebelotes et tu repars et tu reprends. Et je pense qu'il aimerait bien que tu t'arrêtes un peu et que tu profites du temps. T'as gardé ses affaires, il me montre des cartons avec ses affaires. Il me dit pourquoi tu gardes ça? Pourquoi tu gardes ça? C'est pas bon ça, c'est pas bon. Il faut donner ses affaires. Je sais que c'est terrible, je sais. Il y a le côté très matériel des choses qui n'existent plus du tout de l'autre côté et qui du coup n'a plus aucune importance pour eux. Et nous, on s'accroche en tant que vivant, bien sûr, on s'accroche à des choses. Je te rassure, j'ai fait pareil avec ma mère. Comme elle a vécu ici pendant 2 ans, j'ai eu ses affaires dans mes placards pendant X temps. Et après, j'ai triché, je les ai changées de place et je les ai rechangées de place. Et ils sont arrivés étape par étape dans ma cave jusqu'au jour où j'ai été capable de m'en séparer. Tout ça, c'est un long processus et je pense que tu es tellement dans la rancune, dans la haine, dans la vengeance, dans la colère, dans plein de choses que tu n'arrives pas. Et Tiens, il aimerait bien que tu réussisses maintenant à passer à une phase vraiment d'apaisement et de paix. Parce que lui, il a besoin aussi de ça. Il a besoin de te savoir en paix. Laurie, elle a refait sa vie. Elle a eu, parce que j'ai l'impression que je vois un petit, je vois un enfant. J'ai l'impression que c'est un petit garçon. Et c'est très bien, c'est très bien. Tu vois, je pense qu'Étienne est complètement en paix en fait de tout ça. Il est en train de me montrer quelque chose qui est en lien avec le bateau, la vie ou qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est en espagnol que c'est noté. Alors, je suis pas fortiche en espagnol. Je pense que c'est vivre ou la vie ou quelque chose comme ça.
toi, tu fais du bateau. Toi, tu fais du bateau aussi, Muriel. Vous partez en bateau. Faites quelque chose en bateau. Il y a un projet de bateau. Ou c'est une passion, un passe-temps, je sais pas. Et il me dit qu'il faut y aller. Alors peut-être que tu te poses encore des questions par rapport à ce que tu devrais faire. Tout plaqué, qui me dit tout plaqué. Mais c'est très bien, c'est un beau projet. Si tu as envie de tout plaquer, mais vas-y, fais-le. Si tu as envie de faire plein de choses juste pour toi, parce que je pense que des fois, t'en as plein la tête, eh ben vas-y, fais-le, ça va te faire du bien. Vis, il faut vivre. Il faut que tu vives tout ce que lui n'a pas eu le temps de vivre. Je sais que ça peut paraître être des phrases toutes faites, mais c'est l'espèce d'impulsion en fait qu'il a envie de te donner. J'espère que ça va résonner. J'espère que ça va te parler et que tu vas comprendre qu'il essaye vraiment de te faire comprendre qu'il faut avancer, quoi. Je t'aime, qui me dit. Je t'aime, maman. Alors, le je t'aime, maman, en même temps, il est en train de me montrer un cadre. C'est quelque chose qui est accroché au mur, c'est peut-être chez toi, c'est peut-être un souvenir, c'est peut-être quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il t'a offert. En général, quand on montre des choses qui sont accrochées au mur, c'est des souvenirs. Ça, c'est. Donc, tu as peut-être quelque chose chez toi, dans une chambre ou dans un. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus privé, donc je dirais une chambre, plus qu'une cuisine ou un salon. Je dirais une chambre. Il y a peut-être quelque chose dans ta chambre où c'est marqué je t'aime, maman. Et j'ai l'impression que c'est dans un cœur, c'est sur les tons roses et blancs. C'est quelque chose de très pâle, mais il doit y avoir du rouge. C'est peut-être écrit en rouge. C'est un cadeau qu'il me dit. C'est quelque chose qui c'est un cadeau qu'il t'a fait. Quelque chose qu'il faut garder précieusement. Tu vois, ça, tu peux garder. D'accord? Il n'y a pas de souci. Par contre, tout le reste, il vaut mieux aller de l'avant quand même. Il me dit merci. Alors, je lui dis merci aussi vraiment d'avoir répondu présent. Des fois ça marche pas, il a tout à fait raison, des fois ça marche pas. Des fois il faut appeler plusieurs fois et là il était là tout de suite. Mais c'est aussi parce que c'était le bon moment, je pense. Il y a quelque chose aussi. C'est-à-dire que des fois il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que j'essaye aujourd'hui, on est le 2 octobre. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, je sais pas, par rapport à cette date. Et du coup, ça a marché tout de suite. Mais c'est vrai que des fois, on ne voit pas toujours à la caméra, mais parfois, il faut essayer plusieurs fois avant d'avoir une réponse. Et puis, il arrive aussi qu'il n'y ait pas de réponse de temps en temps. Et ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés, mais c'est parce qu'il y a une évolution de l'autre côté et qu'ils ne sont pas forcément toujours à la disposition des vivants. Alors, il est en train de me montrer qu'il m'embrasse très fort pour me dire merci d'avoir réussi à transmettre ce message. C'est quelque chose de très important pour toi. Tu as attendu très longtemps avant de passer le pas. Et je te remercie vraiment de m'avoir choisi. Je pense que tu as fait. J'ai l'impression que tu as fait une enquête. Enfin, je sais pas si tu veux. Tu as hésité entre moi et plusieurs médiums, peut-être, je sais pas. Et tu t'es dit, ouais, ça va être elle. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis j'espère encore une fois, très sincèrement, que ce message va te permettre d'aller de l'avant et de peut-être. Évoluer d'une certaine manière, malgré la peine et la souffrance qui, bien sûr, est totalement compréhensible. Je te remercie en tout cas, Muriel, encore une fois, et puis n'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre tous les messages, et puis tu pourras me faire un retour le jour où tu le souhaites. Il n'y a pas d'urgence, t'inquiète pas. Moi, je bouge pas et je suis là. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut.